bonjour à tous. Et voilà, on avait fini la série des Star Fox. On commence donc une nouvelle série. J'espère qu'elle vous plaira. C'est toujours une série sur GameCube. C'est Pokémon Colosseum. Alors pourquoi Pokémon Colosseum? Pour deux raisons. Parce que j'ai un copain qui me l'a demandé. Donc voilà, comme vous ne connaissez pas, et bien je le fais. Deuxièmement, c'est un peu la mode. Même si c'est un petit peu disparu avec Pokémon Go, il y a le Pokémon Soleil et Pokémon Lune qui est sorti. Donc on va commencer. Voilà. Bon, j'avais fait une partie il y a vachement longtemps. Donc on va faire une nouvelle partie. Si vous commencez une nouvelle partie, votre précédente sauvegarde sera effacée. Oui. J'efface moi. Alors, j'ai pas envie de m'appeler Michel Vincent ou Eric. Moi, je vais être tout nouveau. Et moi, c'est ça. Et puis, c'est tout. Et voilà. Serval vous convient? Je sais pas, je viens de le taper là. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Amitié. Une casse. Ok. C'est cool. J'ai rien compris. Ouais. Ok. Ah, je peux contrôler les trucs. Alors, je peux faire quoi dessus? Cool. Alors, je peux faire quoi? Pokémon, les objets. Oh, j'ai déjà tout ça. Cool. J'ai quoi? J'ai un Octalie et un Mantalie. Alors je vous dis tout de suite, j'y connais rien. C'est quoi ça? Le VAD. Liste, mail, Gmail. J'ai pas de mail. La personne qui m'écrit, c'est dégueulasse. Donc Dragon. Ok. Eh ben on a rien à foutre là. Là parce que je sais pas ce que je dois faire, donc il y a quelque chose qui gigote dans le sac. Ok, et qu'est-ce que tu veux que je fasse? T'es gentil. Ok, cinématique, il suffisait d'aller là, c'est bien. Ah, je m'en suis mis plein plan, s'il n'y a pas à dire. Un bon repas après avoir bouclé son job, il n'y a pas mieux. Et on a attrapé un bon gros gibier en plus. Avec un truc pareil, le boss va nous finir super prime, c'est sûr. C'est le pied. Wouhou. C'est un engrenage dont quelqu'un s'est débarrassé, il a l'air inutilisable. Nulle part. Bon, on va rentrer dans le locomotive. Hein. D'après les révélations de sources officielles, le bâtiment super ravagé par une explosion dans le canyon Lecro sur le repère de la Team Snatch. La Team Snatch est un groupe de kidnappeurs de Pokémon qui s'est déjà levé dans Mandalore.
bâtiment n'a été découvert que grâce à l'explosion, mais la team avait déjà quitté les lieux à l'arrivée des autorités, ne laissant derrière elle que des ruines. Les origines de l'explosion sont en cours d'étude et on peut penser que les éclaircissements arriveront bientôt. Wouhou! Super. Et il faut poser au mec. Dis, tu connais la team Snash? Non. Bon, de canailles s'emparent des Pokémon des autres sans aucun remords. Ils utilisent ce qu'ils appellent une Snatch Ball pour attraper la Pokémon de leur adversaire en plein combat. Wow! Tiens, dans la sorte aussi, tu ferais bien de rester sur tes gardes. Ouais, bah alors on a déjà des problèmes, hein. Première fois qu'on te voit dans les parages, toi, en voyage, mon gars. Ouais, je sais pas d'où tu viens, mais ça m'est égal. Relax et prends ton temps. Ok, c'est sympa, ça, mon frère. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais que leur repère ait explosé, c'est un fait pour eux, comme quoi quand on est un criminel. Moi, je ne fais rien de mal, alors je ne fais rien exploser. Les voleurs de Pokémon de la Team Snatch sont impardonnables, ils ont été anéantis avec leur repère, moi je dis bravo. Ok. Aussi, tu es un dresseur et tu ne peux pas me le cacher, je peux dire dans ton visage que tu es un dresseur fortiche. Je parie que tes Pokémon aussi sont fortiches. Si l'occasion se présente, je pense pas que tu sois au même niveau, mais qui sait. Non, mais ça, je sais même pas comment on joue. Tu vas pas faire un pari, là. Je vais me cacher, pour dire. Avec tes Pokémon aussi sur vertige. J'aimerais bien mesurer à toi. Ok. Ok. Je sais même pas comment je regarde ou comment on fait quoi que ce soit. Ok. De là. Oh, attends. Je m'appelle Billy, rien qu'à te voir, ça me donne envie de te défier en combat, c'est plus fort que moi. Y'a pas à dire, tu n'as pas l'air d'un type banal. Allez, juste un combat rapide. Bon, on va essayer. Cool, j'aime les gens qui ont du répondant. Wouh! Allez, viens par ici. Oh là là. Dans quel dernier je me suis encore fourré. À fond les gaz. Qu'est-ce qu'il nous fait? Combat est lancé par Biker Billy. Zigzaton, zigzaton. Ok. Il m'en envoie deux à la fin. Montali et Montalo là. Donc on va attaquer. Cacher. Tu lui attends. Mentali, attaque. Un choc mental sur Zigzaton. Ah c'est ça. Allez, mange ta sette. Et blanc. Rentre en blanc. Pour l'instant, c'est pas compliqué. Bon, pour durer tout ça. Et là-dessus, ben, tu vois, je me suis fait les CV, j'ai encore du chemin à faire. Ok. Encore 240, je sais pas quoi. Des pièces. On va appeler ça des pièces. Tu es vraiment fort, toi, tu m'as carrément aplati. Comme un rouleau compresseur. Et je sais, si tu veux tester les capacités de dresseur, tiens, calé à Phenacid. C'est une ville située à l'ouest d'ici. Eh ben, il y a des dresseurs bien plus forts que moi, tu devrais essayer de les défier. Ok. Fais un truc là. De toute façon, je peux aller que là.
On voit la fenêtre. Ils sont en train de faire avec ce machin. Attends, un truc dégueulasse. Bah, bouge-toi un peu, tiens-le correctement. Oh bah tiens, je te le dis. Facile à dire, mais ça n'arrête pas de gigoter, c'est coton pour le tenir, je te jure. Ok, ok, on est gentil, on y met un peu du sien en sauveté, hein, bon, d'accord. Sortez-moi de là à l'aide, au secours. Ok. Le scotch qu'on lui avait mis sur le bec a dû lâcher. Tu vas te taire. Vas-y, tu as peut-être bien tout entendu, ce morveux. Bon, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est... t'es nul. Bien, vu que tu nous as entendu, on n'a pas le choix, ce n'est pas ta faute, c'est juste que t'as pas de bol. Ça, je le savais. Alors, c'est toute l'histoire de ma vie, ça. Un combat lancé par un mec louche cafard. Je suis bien. C'est quoi les crevettes, là? Il est tombé. Il s'est attaché, hein. Ouais, il roule. C'est tout. T'as bien raison. Vous avez battu mes cloches, ok. Tu es plus fort que tu en avais, cafard. J'ai le code 500 pièces. Oh, c'est bien. Tu aurais aimé mon chuchumur. Tu n'es pas un dresseur ordinaire. Hein, ce visage. Je ne serais pas le... Mais la Team Snatch, là. Oui. Et vous, qu'est-ce qui se passe ici? Quelqu'un au secours, voleur, voleur. L'affaire, on n'est pas des voleurs, on est des kidnappeurs, tu fiches, kidnappeur. Pas compliqué. Crétin, va pas hurler des trucs pareils. Te repose pas trop sur tes lauriers, Morven. La prochaine fois qu'on se voit, toi et tes Pokémon, j'aurais dû en purer. Bien. C'est terrible, on dirait qu'il y a quelqu'un là-dedans. Ah, quoi, tu vois ça? Un sac qui bouge. Et qui cause. Ah non, c'est incroyablement serré, sans vraiment envie d'avoir fait une chose pareille. Oui, oui, oui. Ah, tu te manges, là? On peut y passer la semaine. Ça qui est maintenu fermé avec une corde bien nouée. Oui, des fers à corde. Essaye de tirer sur la corde, fermant le sac. La corde résiste, mais elle se relâche peu à peu. Cervelle défait la corde, ferme le sac. Bonne fille! Super, merci pour votre aide. Et c'est quoi? Il a commencé sur quel site son sac là? Moi je veux la même chose, hein. Une fille. Où suis-je? Où est-ce qu'ils m'ont amené ces deux-là? Si, c'est Phénacite, la ville aux mille fontaines. C'est la personne qui vous a sauvé de ces brutes. C'est moi! Vous avez dû voir comment il a battu ces types, c'était superbe. Ah, c'est vrai, merci beaucoup. Et tu t'appelles comment? Tu t'appelles Serval. Moi c'est je sais pas. On va mettre Emily, hein. Oui. Je m'appelle Emily, enchanté. J'étais dans la ville voisine quand j'étais kidnappé, ça a été si soudain. En fait, c'est de là, il n'y avait pas des Pokémon bizarres. J'ai mis une bizarre, non? C'est des Pokémon tout à fait normaux. Qu'est-ce que vous voulez dire par Pokémon bizarre? De toute façon, j'aurais pas su faire la différence, je les connais pas. Oh non, c'est rien. D'ailleurs, plutôt embêté, pourquoi ne pas aller demander conseil au maire de la ville?
Quelqu'un de très gentil acceptera certainement de vous aider. Pour aller à la maison du maire, montez l'escalier situé derrière cette grande fontaine, puis prenez à gauche. Le maire, oui, bien sûr. Le maire pourrait peut-être nous conseiller. C'est que c'est un peu brusque, mais il n'y a personne d'autre sur qui je puisse compter. S'il te plaît, tu veux bien m'accompagner? Ouais. Merci. J'espère que tu accepterais. Si deux affaires reviennent, j'aurai rien à craindre avec toi. Merci, merci beaucoup de rester avec moi. Pas de rien. Une minute, ce genre à vous. Cool. C'est où l'entrée? C'est là l'entrée ou c'est la sortie? Le PC. Le PC, on va voir ce que c'est. C'est quoi c'est? C'est une vue en trois dimensions de la ville. Monsieur. Vous pouvez soigner vos Pokémon, voulez-vous? Oui. Moi je prends mon Pokémon. Moi, je les soigne moi, hein. Comme ça je suis un fou. Merci d'avoir attendu, ce matin plein de fois. Venez quand vous voulez. Et j'ai appuyé trop vite. Non, non, c'est bon, c'est bon. Par ici, quand on vient, ouais. Stockage, sauvegarder. Sauvegarder, d'accord, donc c'est comme ça qu'on sauvegarde. D'accord. C'est ce qui m'intéressait. Donc, papy, qu'est-ce que tu fous? Le PC ne sert pas qu'à sauvegarder ta progression, petit, c'est un système de stockage de Pokémon. Il y aura une époque formidable et un plan de bidule pour faciliter la vie. J'ai peur. Ah, vous devez être des voyageurs, mais si vous êtes des assos de Pokémon, ouais. Je sais, rien qu'à voir, j'en étais sûr. Si vous voulez sauvegarder votre progression, vous pouvez utiliser le PC qui se trouve au fond à droite. PC et son Pokémon sont à disposition de tous les brasseurs, ils peuvent les utiliser librement. D'accord. C'est quoi en dessous là? C'est un PC ça. On peut se garder aussi. Hein, hein. C'est quoi ça? Les progrès ne sont pas terminés, venez me voir plus tard. Dans un bout de livre partant sur le sujet des Pokémon. Oh là là. Je le sens pas. Tout à l'heure, il y a eu un sacré vacarme à l'entrée de la ville. Je crois que c'était encore les voyous de la ville voisine qui sont venus faire un tour. Ouais. Et vous êtes. Marie. Oh, je te couvre toi. Pour bien continuer votre voyage, vous devriez vous équiper dans ce magasin et vos articles de première qualité. C'est quelque chose, c'est chez moi. Ce magasin est le meilleur que vous puissiez trouver dans les environs, une réputation sans tâche. J'ai une petite fille. Je n'ai pas encore Pokémon à moi, mais je viens quand même ici tous les jours. Il y a plein de choses pour les Pokémon, alors même si une fille qui a regardé, c'est intéressant. Ok, mademoiselle. Bonjour, t'as ton 06? Si votre Pokémon est blessé, on est ami, il faut pas hésiter à lui donner une potion. En tant que dresseur, il est impératif d'en avoir sur soi. Il n'y a pas toujours 100 Pokémon à portée de main. C'est dans ces moments-là qu'elles sont nécessaires. Oui, d'accord, qu'est-ce que tu veux? Plutôt, je te cause là. Ah, encore raté, zut, je veux la capsule qui est juste en dessous. Okay. Je vois bien à vos petits Pokémon, en quoi puis-je vous aider? Potion, super potion. Avec une Pokémon, DST, anti-gel. Un anti-gel, un Pokémon. Et si mon chien il est malade, je lui donne pas de l'anti-gel, hein. Pas ce que je cherche. Hein. Je voudrais des trucs pour attraper les Pokéball. Pour attraper les Pokémon sauvages, il faut une Pokéball. Tout le monde le sait. Même si qu'il n'y a pas de Pokémon sauvages par ici, n'est-ce pas? C'est pour ça que plus personne ne vend de Pokéball. Ah, c'est bien la veine. C'est aussi tout le monde le sait. Bah non, moi je le savais pas.
Antidote pour soigner l'empoisonnement, un antipara pour la paralysie et un réveil pour le sommeil. Et pendant le combat, si votre Pokémon est endormi, il suffit de l'appeler, personne n'en vous ne trouvez pas, mon cher. Eh bah, on va sortir de là. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On va doit aider la demoiselle là. On a une Pokémon. On verra ça la prochaine fois. J'espère que cette série va vous plaire. Monsieur F qui l'a demandé. Hein. Moi je voulais autre chose, mais Monsieur F a dit ça serait bien les Pokémon, j'ai jamais vu. Et bah je le fais. Et bah sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Laissez-moi un petit commentaire, hein, je vous répondrai. Et puis abonnez-vous à la chaîne. Ciao ciao tout le monde.